on va débuter cette session qui se veut plénière, atelier, un peu mix. Normalement, on avait envisagé deux salles, mais au final, une salle suffira. Et comme ça, plus on est fou, plus on rit. Donc ça tombe plutôt bien. Alors, on va débuter par la radiofréquence, quelques notions initiales, suite quelques cas cliniques. On pourra tenter une petite expérimentation sur de la cuisse de dinde. C'est de dinde, du poulet. Donc voilà. Alors, quelques généralités sur la radiofréquence. Alors, la radiofréquence, le principe, c'est le passage d'un courant de radiofréquence à proximité d'une zone nociceptive afin d'interrompre le signal douloureux. C'est un courant électrique et de l'énergie thermique qui va être transmise au niveau du nerf. Et vous verrez que, chemin faisant, on a plusieurs types de rhizolyse possibles. Il faut bien connaître les différences afin de poser au mieux l'indication. Toutes ces techniques ont un but, c'est limiter la transmission nerveuse au niveau central. Et la radiofréquence est une technique aussi de neuromodulation, mais périphérique. Alors, il y a différentes techniques d'ablation thermique. La plus connue, qui est la méthode historique, celle dont on a plus de références également, qui va être associée à une destruction du nerf. Donc, c'est la radiofréquence en courant continu, ce qu'on appellera volontiers la thermoablation. Ensuite, on a donc également en courant continu, mais une technique qui est un peu plus récente. Et contrairement à son caractère noté refroidi à l'eau, ça reste de la radiofréquence hyperthermique. Donc c'est la radiofréquence hyperthermique refroidie à l'eau. Et celle-ci donne également une destruction du nerf. Donc on est dans la thermoablation. Et ensuite, on est dans le cadre de la modulation. La modulation, donc c'est la radiofréquence avec champ pulsé. Qu'on appellera PRF. Et donc vous verrez que dans cette radiofréquence pulsée, il y a la pulsée dosée dont on parlera un petit peu plus tard. Et après, une technique qui est là cette fois basée plus sur le foie, c'est la cryoneurolyse. Là aussi, c'est des données un peu récentes qui positionnent cette technique. Alors commençons par la radiofréquence historique en courant continu, technique qui est ancienne, hein, puisque vous voyez ça remonte à 1930, et ce monsieur Kirchner avait tout simplement effectué une thermoablation du ganglion de Gasser sur une névralgie du trijumeau. Il avait mis en évidence dans ce contexte des lésions neuronales qui étaient induites par un courant électrique, et que la personne qui avait bénéficié de cette technique avait des douleurs moins importantes à l'issue de cette radiofréquence par thermoablation. Il a fallu attendre 20 ans pour que cette technique soit commercialisée, donc dans les années 50. Et initialement, c'était surtout utilisé dans le cadre des ablations pour des patients qui présentaient des douleurs type lombalgie, dorsalgie, voire cervicalgie, mais surtout des lombalgies initialement. En sachant que cette technique forcément apparaissait comme étant assez intéressante puisqu'elle évitait la neurotomie chirurgicale qui était un geste quand même relativement. Alors là, quand on parle de radiofréquence continue, eh bien c'est un courant continu qui est délivré au patient pendant donc, 90 secondes à une température très élevée pour les tissus nerveux puisque c'est 80 degrés. Donc, inévitablement, dans ce contexte, vous induisez une destruction des fibres nerveuses, et donc c'est ce qu'on appelle une thermoablation. Alors, la destruction nerveuse, on pourrait se dire, c'est une technique radicale. C'est une technique radicale qui entraîne des effets qui peuvent être intéressants, mais aussi quelques effets secondaires dont on reviendra par la suite. Donc autant dire que quand on parle de courant continu, on va chauffer l'électrode. L'électrode va être chauffée à 80 degrés. Alors maintenant, il y a donc la radiofréquence continue par thermoablation refroidie à l'eau. Alors c'est une technique de radiofréquence continue
Mais ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'il y a un flux d'eau continu qui va faire que ce flux d'eau continu va faire progresser la chaleur à distance de l'électrode. Et donc les lésions induites par la thermoablation refroidie à l'eau, bien, c'est tout simplement que la lésion induite est beaucoup plus large et peut concerner des zones donc un petit peu plus importantes. Ça permet également de prévenir l'élévation en température trop importante des tissus traités. Et c'est l'intérêt, quand on regarde dans les futures indications, ça serait quand même, ça concernerait des zones plus larges à traiter. Alors ici, voilà le type de lésion induite par donc la radiofréquence induite par l'eau, en tout cas avec un refroidissement continu par eau. Et ce qu'ils ont démontré, c'est qu'il y avait des isothermes qui apparaissaient avec cette technique. Les températures sont moins importantes, donc juste autour de l'électrode, et la température a tendance à augmenter à distance de l'électrode, emmenée par ce flux continu d'eau. Et donc, dans le contexte, on voit que les lésions sont quand même assez significatives, et vous allez voir tout de suite la différence de taille sur la diapositive suivante entre une thermoablation classique et thermoablation refroidie par l'eau. Alors, les autres facteurs qui interviennent dans la taille de la lésion induite, c'est la taille de l'aiguille, forcément la température de l'électrode, et ce qu'ils appellent les dissipateurs de température, à savoir qu'ils peuvent être actifs forcément si vous avez un flux sanguin, donc en dessous, si vous avez un tissu plutôt vascularisé, forcément avec le flux passant, la chaleur peut aller un peu plus loin. Et ou alors, donc ça c'est pour des tissus qui sont vascularisés, ceux qui sont un peu moins vascularisés, tissus musculaires ou os, eh bien les dissipateurs de température sont un peu moins actifs forcément qu'un flux sanguin. Alors on voit que le positionnement de cette technique est surtout une technique à considérer lorsqu'il y a eu échec des autres techniques, en particulier de la radiofréquence pulsée ou de la pulsée dosée. Voilà la différence de lésion induite entre donc, une radiofréquence qui est refroidie en continu à l'eau et puis une thermoablation classique. Vous voyez que donc, le diamètre en quelque sorte de la lésion ici est beaucoup plus important que la lésion en thermoablation classique. Tout ça, vous voyez, c'est une revue de la littérature assez intéressante. Encore une fois, c'est récent, donc il y a un certain engouement autour de ces techniques et ce qui amène à pas mal de publications. Les effets indésirables. Alors les effets indésirables, ils sont importants à connaître, puisque si c'est une technique où on a pas mal de littérature, il faut appréhender les effets indésirables. Dysesthésie cutanée douloureuse, ça entraîne une névrite ou douleur liée à une inflammation neurogène, une hyperesthésie cutanée, douleur de désafférentation, alors ça c'est terrible, on en a parlé ce matin. Et puis attention, ça peut entraîner un déficit moteur. C'est-à-dire que si vous faites de la thermoablation sur donc un nerf c'est sensitif, mais ça peut être moteur. La thermoablation sur un nerf qui est à la fois sensitif et moteur, vous risquez d'entraîner un déficit moteur puisque vous entraînez une destruction. Donc d'emblée, on peut dire qu'avec ce type de technique, et lorsqu'on fait de la thermoablation, eh bien, il y a un test à faire avant de faire votre séquence de radiofréquence. C'est non seulement un seuil sensitif, mais surtout un seuil moteur et un test moteur. Parce que si vous déclenchez une réaction motrice avant votre traitement, il ne faut pas que vous commenciez à faire votre isolyse parce que vous allez entraîner un déficit moteur. Donc vous verrez que dans les recommandations de bonne pratique qui sont proposées par des équipes américaines, eh bien, la notion de test moteur est extrêmement importante et les différents dispositifs comme celui-ci eh bien, proposent des tests sensitifs et des tests moteurs à effectuer avant votre traitement de rhizolyse. Mais en tout cas, attention au déficit moteur, attention à la douleur de désafférentation estimée entre 10 et 20% qui entraîne des douleurs extrêmement importantes après ce type de traitement et dont le recours aux thérapeutiques ne sont pas évidents du tout. Alors on passe maintenant à la cryoneurolyse. La cryoneurolyse, ce n'est pas de la destruction, c'est de la modulation.
Donc il y a l'absence d'hyperalgésie et de la formation de névrome. C'est des lésions qui sont induites au réseau vasculaire nerveux, à l'origine donc d'un œdème, d'une hyperpression endoneuronale et d'une destruction axonale. Mais dans ce contexte-là, eh bien, il y a un phénomène de régénération qui se met en place par la suite, c'est pour ça qu'on parle de modulation et non pas de destruction. Régénération qui va se faire à partir du tissu conjonctif et de la lame basale des cellules de Schwann, et qui est estimée à 1,5 mm par semaine. En fonction de l'amplitude et de l'importance de la lésion, eh bien, ça va vous calculer en quelque sorte le délai avant que réapparaisse la douleur, ce qui amène d'ailleurs à répéter ce traitement si besoin. Et donc là, c'est basé sur de la cryo, hein, c'est donc du refroidissement du nerf à basse température. Alors, il y a quelques séries qui existent dans la littérature. Là aussi, c'est relativement récent. Bon, pour des douleurs thoraciques post-op, des névralgies du trijumeau, des douleurs atypiques de la face, de l'abdomen et même périnéales. On va beaucoup plus parler de la radiofréquence pulsée. La radiofréquence pulsée s'était développée en 1995, donc un peu plus tardivement après donc la thermoablation. Alors, le gros avantage de la radiofréquence pulsée, c'est surtout qu'il n'y a pas de destruction. Ça minimise inévitablement le risque de déficit moteur et de douleur de désafférentation, parce que dans ce contexte-là, vous n'entraînez pas de lésion définitive. Et le mécanisme induit, ça repose sur le champ magnétique induit par cette radiofréquence pulsée, qui vient moduler la transmission du signal des fibres OC, provoquant, comme vous pouvez le voir, une repolarisation intense de ces fibres, suivi d'une inhibition de leur réponse à la stimulation. À côté de ça, il y a quelques études qui montrent que cette radiofréquence est associée avec une expression du CFOS au niveau de la corne dorsale, qui est un marqueur non spécifique d'activité cellulaire. Et en intra-articulaire, il y a des effets donc immunitaires qui ont été observés, et en particulier un effet anti-inflammatoire qui pourrait être intéressant. Donc finalement, un champ magnétique, quelques réponses au niveau central et un effet anti-inflammatoire démontré en particulier au niveau articulaire. L'intérêt de cette technique, c'est l'absence d'effets secondaires, donc ça c'est son principal intérêt. L'inconvénient, on pourrait dire, c'est que, eh bien, à un moment ou à un autre, le nerf va revenir à son état avant donc la radiofréquence, et que c'est une technique à répéter. Alors, dans le pulsé, nous avons du dosé pulsé. Alors, le dosé pulsé, il faut savoir que, ça je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais dans le contexte, mais on va le revoir juste après, quels sont les paramètres de réglage de la radiofréquence pulsée, c'est que la température de l'électrode ne va pas excéder 40 degrés. Donc, on n'est pas du tout dans les 80 degrés de la thermoablation. Et finalement, la grosse différence entre la radiofréquence pulsée et la radiofréquence dosée pulsée, c'est que c'est basé sur le même principe, mais la radiofréquence pulsée dosée, et le challenge pour les deux techniques, c'est de maintenir la température de l'électrode autour de 40 degrés. Alors une technique, la radiofréquence pulsée, pour maintenir l'électrode à 40 degrés, elle va jouer sur l'aspect quantitatif du champ magnétique. Et donc finalement, elle va jouer plutôt sur la qualité de son champ magnétique pour maintenir donc la température de l'électrode. Le pulsé dosé, eh bien, ça sera un cycle de champ magnétique qui sera celui pré-réglé et qui sera donc identique. Pour éviter que l'électrode monte en température, il y aura une interruption du traitement pendant un certain temps, ce qui fait que la température de l'électrode va baisser et hop, de nouveau, un cycle sera donc apporté au patient, mais ça sera un cycle qui sera donc celui qui est réglé. Et donc finalement, en termes d'efficacité, on est en train de se demander est-ce que la radiofréquence dosée pulsée ne permet pas d'avoir donc un champ magnétique optimisé et donc un impact au niveau du nerf peut-être beaucoup plus intéressant que le pulsé. Le pulsé, c'est intéressant, mais finalement, la qualité du champ magnétique délivré au niveau du nerf qui est responsable de la mécanistique induite dans l'amélioration de la douleur, eh bien dans ce contexte-là, serait donc un petit peu moins opérationnel. Donc c'est une subtilité, mais c'est exactement la même technique, mais avec, sur le plan qualitatif, peut-être eh bien, un champ magnétique un peu plus optimisé dans la radiofréquence à dose pulsée.
Alors, quelles sont donc les différences? Mais vous voyez, donc la comparative, c'est la radiofréquence continue. Alors, l'application ici, c'est, donc on a vu 90 secondes, au maximum 80 degrés dans le continu. Ici, donc dans la radiofréquence pulsée, dans la pulsée dosée, eh bien, donc on a donc une température qui reste de toute manière à 42 degrés. On voit que c'est donc la durée, c'est 20 millisecondes, on a une fréquence de 2 Hz, donc on a un courant de 45 volts, et ensuite il y a des phases silencieuses de 480 millisecondes. C'est souvent des traitements qui durent pendant 2 minutes, ça c'est pré-réglé. Et de l'autre côté, eh bien, on conservera ces mêmes réglages, et pour éviter la montée en température, il y aura une interruption du cycle. Tandis que là, eh bien, il y aura une variabilité en fonction de la montée en température, justement pour éviter que l'électrode monte trop et qu'on tombe sur du continu et donc d'avoir de la thermolésion. Quels sont les équipements nécessaires pour faire de la radiofréquence? Alors, il faut un générateur qui est capable de produire soit du courant continu et ou pulsé. Donc, un de ces générateurs vous est présenté là, il y en a bien sûr d'autres. Il faudra une électrode de radiofréquence qui est reliée, donc c'est ce type donc, de choses que vous voyez ici. Donc ça c'est l'électrode de radiofréquence qui est reliée au dispositif. Et ensuite il vous faut une aiguille, l'aiguille qui va vous permettre, donc si c'est une aiguille, alors il y a différentes tailles, 50, 100 mm, l'aiguille qui va vous permettre tout simplement d'approcher le nerf. Et une fois que vous êtes en place, vous passez donc l'électrode à l'intérieur de cette aiguille. Ensuite, eh bien, dans la préparation, il vous faut une plaque neutre qui va fermer donc, le circuit en quelque sorte, et qui est la plaque de référence, et qui va pouvoir permettre de générer donc, le courant électrique. Donc ça, c'est le matériel nécessaire pour faire de la radiofréquence. Selon donc, ce type de petit schéma, avec donc, les générateurs, l'électrode de dispersion et l'électrode active qui permet de faire le traitement. Donc ici, c'est l'exemple de générateur de radiofréquence. Alors quand vous regardez ici plus particulièrement, vous avez donc les tests sensitifs et moteurs qui permettent d'identifier... Alors le test sensitif, c'est pour les anesthésistes réanimateurs, c'est assez connu puisque c'est avant l'ère de l'échographie, c'était les techniques de neurostimulation qui nous permettaient de repérer donc un nerf. Et donc finalement, donc on va stimuler donc le nerf, mais en ne cherchant pas une réponse motrice. Mais là, le patient finalement nous dira si on est dans le territoire parce qu'il va ressentir des fourmillements dans la zone. Bien sûr, ça peut déclencher de la douleur si vous êtes très très proche. De telle sorte que lorsque vous êtes à un seuil très bas, ça veut dire que vous êtes très proche du nerf. Et donc à ce moment-là, vous pouvez faire votre traitement. Si vous ne reproduisez pas la douleur sans faire de test sensitif, eh bien en quelque sorte, vous êtes à distance du nerf. Et vous, déjà, un, vous n'êtes pas certain que vous êtes bien placé. Et ensuite, eh bien la lésion induite par le traitement risque de ne pas être efficace, vous risquez de toucher tout simplement des tissus qui ne sont pas concernés par la douleur. Une fois que vous êtes avec un seuil bas, vous faites votre traitement, donc à radiofréquence en l'occurrence, donc, soit lésionnelle, donc thermoablation, soit de la radiofréquence donc pulsée. Si vous faites de la radiofréquence pulsée, comme je vous l'ai dit, c'est un traitement de 2 minutes. Une fois que vous avez fait votre traitement, à ce moment-là, eh bien, vous réeffectuez un test sensitif. Si votre thérapeutique a fonctionné, eh bien, votre seuil de sensibilité va inévitablement augmenter. Et il est admis que lorsque vous augmentez votre seuil de sensibilité, l'idéal étant d'augmenter donc de 3, c'est-à-dire si vous avez 0,3, vous pouvez passer à 0,9 ou à 1 en termes de seuil de sensibilité, ça veut dire que vous avez engendré donc un remaniement au niveau de la structure nerveuse qui permet justement d'augmenter le seuil de sensibilité du territoire nerveux concerné. Donc cette notion de seuil de sensibilité n'est pas appliquée par toutes les équipes, mais en tout cas, ça nous donne quand même donc, déjà un indicateur objectif d'efficacité du traitement, et ça nous permet surtout dans le compte-rendu opératoire qui est effectué, d'argumenter ce qui
qui a été fait en particulier en, test de en termes de désensibilisation du nerf. Alors là, vous avez le lésionnel, vous avez donc la radiofréquence pulsée, vous pouvez faire du dosé pulsé par cet intermédiaire-là. Alors, 21 encore, vous voyez, donc c'est vraiment totalement d'actualité. On a des recommandations qui ont été proposées par nos collègues américains concernant la radiofréquence. Alors, ils vont parler essentiellement de thermoablation. Très peu de pulsé, puisque le pulsé, il n'y a pas encore énormément de littérature. Donc tout ce qui va être dit là, c'est à partir de littérature concernant la radiofréquence donc continue et la thermoablation. Si ça marche pour la thermoablation, ça marche avec le pulsé. La thermoablation, donc les limites, je vous les ai décrites précédemment. Et il faut être vigilant sur les lésions que ça induit et les embêtements à la fois pour le patient et pour vous. Alors les recommandations, elles sont basées, donc vous verrez qu'il y a des niveaux d'évidence, il y a la recommandation grade dans les différentes propositions qui sont effectuées. Quand on regarde tout ce qui est 1, 2, 1 en particulier, il y a des essais randomisés contrôlés qui permettent de proposer ces recommandations. Les grades 2, donc c'est des études qui sont plutôt bien construites, contrôlées, mais pas randomisées. Donc le 2-2, donc c'est des cohortes de cas, et donc vous voyez que plus on descend jusqu'au 3, donc le 3 c'est plutôt des cas d'espèce où il est difficile d'interpréter quoi que ce soit. Donc l'idéal étant d'avoir des niveaux d'évidence 1 à la limite de 1. Après, à côté de cela, eh bien, il y a du grade. Le grade, du grade A jusqu'au grade donc, E, ce qu'ils ont appelé, oui, c'est ça, I, ici. Enfin, donc, en tout cas, tout ce qui est au-delà de grade C et D est inférieur, autant dire qu'il n'y a pas de recommandation pour une technique. Et on verra que le grade A et le grade B, on peut à ce moment-là parler de recommandations qui peuvent être intéressantes. En tout cas, c'est argumenté dans la littérature. Alors la première recommandation, donc ici, c'est concernant la première indication que je vous ai présentée précédemment, c'est tout simplement les radiofréquences du rameau dorsal, du rameau postérieur, du nerf spinal lombaire, de la branche médiane du rameau postérieur. Donc c'est les fameuses facettes que l'on fait avec un bloc analgésique. Eh bien, la radiofréquence, dans ce contexte-là, peut être intéressante pour certains patients. Et vous voyez qu'il y a de la méta-analyse, incontestablement. Donc, il y a des études plutôt bien construites. Il y a des revues de la littérature. Donc, on a des essais qui sont intéressants. Dans les Cochrane Review, ici, dans le randomisé non contrôlé, donc là, c'était, je ne vous les ai pas surlignés donc, en couleur, tout simplement parce que là, c'est des essais qui sont négatifs. Le reste des essais sont positifs et qui montrent une amélioration de la symptomatologie douloureuse dans cette indication. Donc, ce qui a permis à nos collègues américains de faire des propositions est tout d'abord de résumer les bonnes pratiques pour la radiofréquence des facettes lombaires. Alors, l'indication, c'est une indication pour lombalgie en l'absence de symptômes radiculaires. C'est vraiment le lombalgique donc, qui est concerné. Il faut avoir éliminé une autre étiologie, soit par une IRM, soit par une tomodensitométrie. La prédictibilité d'efficacité de la radiofréquence donc, a dû être déterminée avant par un bloc analgésique, et ça va revenir systématiquement. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire une radiofréquence de but en blanc, donc il faut d'abord donc, montrer qu'en faisant un bloc analgésique, vous avez un soulagement. Le bloc analgésique va être de courte durée, la radiofréquence. L'avantage, c'est qu'on attend d'avoir donc un effet qui est donc plus prolongé. Alors après, il donne des notions de positionnement parallèle de l'électrode par rapport à la cible, en sachant que eux, ils le font sous scopie essentiellement. Nous verrons qu'on a des possibilités de pouvoir associer la scopie et l'échographie pour ce type de radiofréquence, comme pour le même bloc. Et toujours, le test sensitif à effectuer avant. Et également pour certains, surtout quand ils font de la radiofréquence, donc de la thermoablation, un test moteur. Donc ils font à la fois les deux, le sensitif qui va reproduire donc la sensation douloureuse dans la zone. Et ensuite ils font un test moteur pour montrer qu'il n'y a pas de réaction motrice eh bien, donc, à la stimulation. Parce que c'est une contre-indication à effectuer à ce moment-là une radiofréquence continue avec un risque de douleur de désinfermentation, pire
enfin pire, parce que la douleur c'est embêtant, mais d'avoir un déficit moteur. Les réglages de 7 donc, qui ont été proposés, en tout cas, dans, c'est entre 60 et 80 degrés, et donc 60 pendant 60 à 90 secondes. Ça, c'est les réglages classiques que je vous ai déjà montrés. Et donc, on a la possibilité maintenant de combiner, en quelque sorte, la scopie à l'échographie. Et c'est intéressant parce que, quelque part, la scopie nous aide donc, à bien identifier le repérage du niveau où on doit faire la radiofréquence. Mais le positionnement d'aiguille n'est pas toujours si simple en scopie, on est en deux plans, et l'échographie d'associer les deux est plutôt intéressante, parce qu'on connaît donc, les repères ici, hein. Donc vous voyez là, donc cette partie-là, ce sont... Alors là, c'est des très belles images. Chez les patients qui sont plutôt favorables au niveau phénotype, pas trop de tissu adipeux, eh bien, on peut avoir ce type d'image. Vous voyez donc la l'apophyse épineuse, le processus articulaire inférieur, donc le processus articulaire supérieur, les facettes qui sont ici, et ici, donc c'est en intra-articulaire. Donc quand on fait la facette, en termes de bloc, eh bien, on injecte l'anesthésique locale là. Si on veut faire de l'intra-articulaire, de l'apophyse articulaire postérieure, on injecte ici. En fait, globalement, si vous mettez 5 mm, ça va là, et puis ça va là aussi. Hein. Donc ça veut dire que quand on fait un bloc analgésique, on fait à la fois du facétaire et aussi de l'articulaire la plupart du temps. Mais cela étant dit, quand on veut faire de la rhizolyse, eh bien vous voyez qu'on peut avoir une précision du geste combinée donc à la scopie qui peut être intéressante. Quand vous en êtes là et que vous avez positionné votre aiguille, eh bien vous faites un test de sensibilité pour voir si on est bien dans la zone. Et ensuite, éventuellement, un test moteur. Le test moteur, moi, je ne le fais pas quand je fais du pulsé, parce que je sais que, de toute manière, je ne suis pas délétère, et j'ai souvent une réponse à ce moment-là, donc à très faible stimulation, ce qui veut dire que je suis dans la zone, et le patient me dit, en effet, on déclenche une douleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire très attention, c'est des gestes qui sont combinés à un peu de sédation, il faut conserver donc, le patient donc, avec une conscience. Donc on fait de la sédation, si on peut dire, donc analgésique, c'est plutôt un fond de rémifentanil, et très peu d'hypnotique, parce que sinon, eh bien, vous perdez conscience, donc le patient perd conscience, vous ne pouvez plus discuter avec lui, et ensuite, si vous le plombez trop, le seuil de sensibilité vont changer, et donc inévitablement, vous allez perdre vos repères. Donc ça, c'est des points qui sont importants. Autre point important, lorsque vous êtes sur de la rhizolyse très superficielle, il ne faut pas commencer à faire de l'anesthésie locale, donc trop importante, parce que vous allez tout de suite bloquer le nerf, et en bloquant le nerf, eh bien, vous allez l'endormir, et donc là, votre test de sensibilité et donc, sera complètement à zéro, puisque vous n'arriverez pas à le stimuler, vous l'aurez endormi avec l'anesthésie locale, en particulier pour les grands occipitaux, où c'est juste sous la peau, il faut prendre l'habitude. Donc un peu de rémifentanil, très peu d'anesthésie locale, moi j'en fais quasiment pas, de toute manière on pique, on est très en regard, et donc pour éviter justement d'endormir le nerf avec la lidocaïne ou la ropivacaïne. Donc les recommandations, et vous voyez que là c'est du grade 1A, donc proposé par nos collègues américains, la radiofréquence de la branche médiale du rameau dorsal du nerf spinal lombaire est recommandée pour la lombalgie lorsque l'origine facétaire a été identifié par un bloc analgésique diagnostique. Ça marche à deux, il faut un bloc analgésique et ensuite on peut passer à la radiofréquence. On est toujours dans le nerf spinal, mais cette fois au niveau cervical. Eh bien, vous voyez que ici, pour le cervical, il y a une randomisée contrôlée. Toutes les autres études sont positives également, avec un effet au niveau douleur. Donc, ils vont argumenter leurs recommandations sur un essai randomisé, un petit peu moins qu'au niveau lombaire. Au niveau des pratiques, eh bien, on retrouve à peu près donc, la même chose, c'est-à-dire que c'est pour des cervicalgies, en l'absence de symptômes radiculaires, éliminer notre étiologie, prédictibilité d'efficacité de la radiofréquence par bloc analgésique, c'est toujours la même chose donc, dans les précautions. Efficacité analgésique de répétition des séances tous les 6 mois, donc vous voyez que derrière cela, lorsque on est dans ce contexte-là, il peut y avoir une répétition des séances. Radiofréquence d'une portion plus large de la branche médiale en utilisant deux voies d'approche, un peu plus compliqué par rapport donc, au bloc facétaire lombaire. Et ensuite, test moteur, test sensitif et les mêmes réglages. Là aussi, l'échographie peut nous aider.
Et au niveau cervical, ça peut être intéressant plutôt que de faire ça uniquement par scopie. Et comme vous pouvez le voir, donc ici, donc C2, C3, C3, C4, et bien la branche médiale, elle apparaît ici. Donc c'est des repères que l'on, donc avec un peu d'habitude, que l'on a, qu'on voit assez aisément. Et en tout cas, quand on est au niveau cervical, je trouve que la combinaison à la fois de la scopie et de l'échographie est un élément de rassurance, parce qu'il y a quand même du monde dans la région. Et donc on ne veut surtout pas faire de conneries et surtout pas faire de radiofréquence continue à l'aveugle sans faire de test moteur, parce que vous savez comme moi que la région est très 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 innervée, qu'on peut faire de grosses conneries. Donc là aussi, grade 1A pour les facettes cervicales à partir de cet essai randomisé. Donc exactement la même chose que pour donc, le lombaire, mais avec une technicité un peu plus difficile. Concernant les dorsalgies, je vous ai pas mis l'ancienne des études, c'est un petit peu moins, grade 2, 3C, donc ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de belles études qui permettent de dire il faut y aller. Donc là on est sûr et recommandé, donc là c'est un abus de langage, c'est et probablement recommandé, pas et recommandé, dans le sens où finalement on est sur du grade 2, 3C, ça. Donc c'est du conditionnel, on n'a pas des études de très haut niveau pour pouvoir annoncer ça. Alors, radiofréquence des nerfs de suppléance du genou, voyez quelques essais également, randomisés, une revue de la littérature, méta-analyse en tant que telle, ce qui amène finalement, donc, concernant ces douleurs et dans les bonnes pratiques, pour les nerfs géniculaires du genou, hein, qui sont, comme vous voyez, répartis ici, avec des branches supérolatérales, supéromédiales et inféromédiales, peut être aidé aussi de l'échographie, eh bien, la radiofréquence peut être intéressante pour certaines douleurs post-opératoires et pour des douleurs plutôt d'inflammation. Là aussi, il faut éliminer notre étiologie. C'était donc de la rhizolyse continue avec le même protocole. Cibler plutôt les nerfs géniculaires supérolatéraux, supéromédiaux, inféromédiaux, donc comme c'est indiqué donc, ici. Encore une fois, mais ça c'est pour toute la radiofréquence, le bloc analgésique aura montré qu'il y a un effet. Ou sinon, on n'y va pas. De toute manière, il faut faire un bloc analgésique, ne serait-ce que diagnostique. Et puis, ben, c'est toujours la même chose, puisque là c'était de la radiofréquence continue. Attention à ne pas faire de bêtises sur donc, les lésions, en tout cas les structures environnantes. Donc ici, on est en grade 2, compte tenu des études. Hein, la radiofréquence du nerf géniculaire est probablement recommandée pour le traitement de la douleur post-opératoire ou d'ostéarthrite du genou. Grade 2, 1B, il y a quelques études qui permettent ça, mais elles ne sont pas si nombreuses que cela, et moins nombreuses que pour donc, les facettes lombaires et cervicales. Alors, l'articulation de la hanche aussi, donc quelques propositions par nos confrères américains. Grade 2, 1B. Radiofréquence d'articulation de la hanche peut être utilisée pour des douleurs réfractaires en ciblant les branches articulaires, j'ai bien dit du nerf fémoral, pas le nerf fémoral. Donc là, ils ne vont pas faire de la rhizolyse sur le nerf fémoral, hein, surtout. Hein. Donc sur les branches articulaires du nerf fémoral et obturateur, après un bloc donc analgésique diagnostique. Ce qu'il faut voir derrière ça, c'est que là aussi, l'échographie permet d'aider ce genre de choses. Et compte tenu de cette possibilité d'accès, plutôt que de faire comme ça sous scopie, là on est franchement à l'aveugle hein, par rapport à ce qu'on peut faire avec l'échographie. Donc d'être aidé par la scopie, ok, mais en tout cas l'échographie nous permet d'être très précis. Alors le nerf occipital, vous voyez quelques études, pas de multicentrique ici, donc en randomisé. Des études cliniques, quelques cas reportés, donc avec en général des résultats qui sont plutôt satisfaisants, quelques études aussi négatives. Donc en tout cas techniquement c'est quand même relativement facile. Alors ça peut être fait sous écho, mais alors là pour le coup assez paradoxalement c'est pas toujours évident dans la pratique de tous les jours de combiner l'échographie avec les cheveux. Et c'est très très superficiel, et donc on est un petit peu moins à l'aise avec l'échographie, parce que de le faire dans le plan, on n'a pas beaucoup d'espace, et donc dans le plan, ça devient un peu douloureux pour le patient, alors que finalement, cliniquement, on arrive à reproduire
Donc la douleur, parce que c'est très très superficiel ici au niveau de l'émergence du grand occipital et donc là le petit occipital. En tout cas, vous faites votre test de sensibilité et quand vous déclenchez la douleur, et c'est assez typique, hein, comme la clinique d'ailleurs, la clinique, vous appuyez, ça déclenche au niveau de ces céphalées de tension, eh bien à l'aiguille c'est exactement la même chose. Mais encore une fois, vous voyez qu'il y a eu un bloc analgésique avant qui a permis de confirmer qu'il y avait un soulagement pour le patient. Et donc ça aussi c'est assez aisé à effectuer. Toujours un test de sensibilité à faire. Les durées de soulagement estimées sont de 6 mois avec une radiofréquence pulsée en tant que telle. Alors grade 2, 2C, donc là aussi c'est une recommandation qu'on peut entendre. Donc la radiofréquence du nerf occipital peut être proposée pour le traitement des céphalées de tension lorsque les nerfs petits ou grands occipitales ont été identifiés comme responsables de la symptomatologie après la réalisation d'un bloc diagnostique. Alors maintenant, quelques autres indications avec des niveaux de preuves intermédiaires. Donc là, on va parler de la radiofréquence pulsée dosée pour patients avec des douleurs chroniques, où on retrouve un certain nombre d'indications, que ce soit au niveau du genou, que ce soit au niveau du pied, que ce soit au niveau du nerf pudendal, que ce soit pour les pubalgies, en particulier pour les sportifs, donc des résultats qui peuvent être intéressants, mais cette fois, ce n'est pas de la rhizolyse en thermoablation. Ici, on est clairement dans une, donc ce n'est plus les recommandations américaines, on est sur du pulsé dosé ici. Alors, que ce soit au niveau de l'articulation, donc là, sous scopie, que ce soit au niveau de l'articulation métatarsophalangienne, que ce soit au niveau de la trapézo-métacarpienne, que ce soit donc ici donc dans le cadre des rameaux qui sont impliqués dans le cadre de la pubalgie, les études qui ont testé ce genre de traitement montrent une diminution d'intensité de la douleur avec toutes les précautions qu'il faut avoir vis-à-vis de ce type de traitement, parce qu'il faut que ça soit quand même malgré tout bien réfléchi, même si la radiofréquence pulsée dosée n'entraîne pas de lésion définitive, il faut quand même avoir une certaine prudence avant de commencer à mettre des aiguilles comme ça dans les articulations, parce que vous avez bien appréhendé que le risque infectieux est quand même potentiellement important. Alors, autre indication, c'est la radiofréquence du pulsé, du nerf pudendal. Quand on regarde cette étude, alors le nerf pudendal, c'est forcément des patients ou des patientes qui ne sont pas évidents dans leur prise en charge de la douleur. Ça peut être une solution, encore une fois, en respectant bien qu'au préalable, vous aurez fait un bloc analgésique pour savoir si vous avez un soulagement. Et ensuite, eh bien, il y a donc la technique par scanner, donc qui permet une précision, mais on a la possibilité aussi de faire sous écho par voie transglutéale, qui permet bien de repérer nos deux principaux repères sont donc le nerf sciatique, l'artère pudendale, et en dedans, ici c'est médial, ici c'est latéral, eh bien on a le nerf pudendal, qui n'est pas toujours facilement visible d'ailleurs, d'où l'importance de repérer donc l'artère pudendale, le nerf sciatique, en piquant dans le plan, donc c'est assez profond quand même, puisqu'on utilise une sonde basse fréquence, on est sur des profondeurs de 8 cm, et bien d'aller donc en dedans de l'artère pudendale et de faire le test sensitif. Et c'est là où on essaye de reproduire donc la douleur, donc là ça le patient doit être conscient, un peu de rémifentanil pour que ça soit confortable, parce qu'on a quand même une aiguille de 10 cm enfoncée dans le derrière en quelque sorte, et ça ne fait pas du bien chez ces patients, donc il faut un minimum de confort. Et donc, mais on a besoin de savoir si on reproduit la douleur dans le territoire qui est déclaré comme étant douloureux. Donc ça, ce repère est extrêmement important, il faut affiner en quelque sorte le positionnement de l'aiguille pour pouvoir faire le traitement. Et là, vous faites du pulsé, surtout pas de radiofréquence continue dans ce contexte, ou du pulsé dosé, donc ça sera à voir. Et vous voyez que donc, ce papier est plutôt intéressant en termes de réponse.
Donc là, probablement, enfin, nous on a une certaine expérience vis-à-vis de cela. 12 mois, ça nous semble quand même assez long. On peut avoir des soulagements observés à 3-4 mois, mais ils ont fait du pulsé dosé. Donc peut-être que le pulsé dosé par rapport du pulsé sol permet peut-être une prolongation des effets. En tout cas, c'est possible et l'échographie aide pas mal si on n'a pas forcément toujours accès au scanner. D'autres indications, nerfs suprascapulaires, douleurs neurologiques post-amputation, douleurs neurologiques post-herpétiques, douleurs testiculaires, donc les radiofréquences du cordon spermatique, névralgie faciale, névralgie fémorocutanée, tout cela, eh bien, c'est tout à fait possible. On va vous présenter très rapidement quelques petits cas cliniques qui sont des cas de patients que nous avons pris en charge. Oh. Et donc, trois cas cliniques rapides, ça va aller très vite. Avec une première dame, l'onchocytalgie rebelle à gauche, qui a été réopérée une première fois en 2008 et puis par la suite en 2015, avec mise en place d'arthrodèse, des cales intersomatiques. Et cette ostéosynthèse lui a permis d'obtenir un soulagement d'un mois, ce qui n'est quand même pas beaucoup. Alors, persistance d'une radiculalgie, la composante neuropathique était nette, traitement habituel, on a été jusqu'à l'hypothèse, etc. Globalement, c'est inefficace. Après discussion en RCP, après un petit peu de tergiversation, on conclut à la nécessité de la pose d'une neuromodulation. Par stimulation médulaire, cordonale, postérieure, voie percutanée, bien sûr, pour nous, et la douleur disparaît. La douleur radiculaire disparaît, la patiente est contente. Malheureusement, apparition de lombalgie, vraiment mécanique, de désadaptation posturale avec des douleurs interarticulaires, T11, T12, L1. Des adaptations conduit à la nécessité d'une réadaptation fonctionnelle qui reste à la source d'une amélioration et qui ne peut être que transitoire pour arriver en février 2020 à, bon, alors on va faire une infiltration, alors ça on sait bien faire, on fait l'infiltration et en interarticulaire postérieur à tous les étages. Ça fait disparaître la symptomatologie douloureuse pendant 72 heures. Encore une fois, on fait disparaître une symptomatologie douloureuse pendant 72 heures avec des produits anesthésiques dont la demi-vie est de 7 à 8 heures. Donc, c'est là où c'est important. Et donc, après une discussion à RCP, on avait donc le test anesthésique. On a décidé de faire une résolise par fréquence pulsée, ce qui a nettement amélioré la patiente en termes de douleur, en termes de qualité de vie. Malheureusement, quelques mois après, en fait, 6 mois après, les douleurs réapparaissent, ce qui est assez habituel dans le cadre de la radiofréquence. Après, une autre dame qui a été opérée en 2011 de la hernie cervicale, et qui présente une malformation congénitale de hanche. Alors en fait, c'est le développement osseux d'une partie du col de la hanche, du col fémoral, qui ne se fait pas, et alors que l'autre partie se développe. Donc il y a une poussée qui se fait, et vous voyez que en fait, cette dame elle a une hanche qui n'est pas tout à fait normale. Ça a justifié de multiples opérations sur sa hanche avec la mise en place d'un resurfaçage. Voilà le resurfaçage. Cette mise en place de resurfaçage qui s'est faite par voie antérieure avec une donc lésion du rameau, d'un rameau un peu récurrent du cutané latéral de cuisse. Ce qui a été à l'origine de manifestations douloureuses neuropathiques. Alors on a tout fait sur ces douleurs neuropathiques. Et on a été jusque l'analgésie loco-régionale par infiltration d'anesthésique locale, ce qui l'a soulagé. Alors, le cutané latéral de cuisse, on connaît bien, et on a proposé à la patiente d'avoir une mise en place de cathéter périnerveux pour une période de quelques semaines. Elle en était d'accord, mais en fait, elle n'a pas toléré.
n'a pas toléré sur le plan du confort, et ça a été sa plainte essentielle, c'est pas confortable. Ce qui nous a amené après la RCP à proposer un geste de radiofréquence, et j'ai revu cette patiente il y a quelques jours. Elle est à 2 mois de sa radiofréquence et elle n'a absolument plus de manifestation douloureuse. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour elle, parce que c'est quand même une dame qui galérait depuis quelques années maintenant, avec une efficacité partielle des recours pharmacologiques, une efficacité totale d'un bloc anesthésique, mais son souhait de ne pas bénéficier d'autres dispositifs, et ce d'autant qu'elle avait eu une mise en place de prothèse totale, parce que le resurfaçage avait commencé à merdouiller, et donc on avait été obligé de mettre une prothèse totale avec une voie d'abord qui était postérolatérale. Donc une bonne efficacité. Et puis, alors on reste dans les indications traditionnelles, sauf pour le cutané latéral d'ailleurs, c'est assez traditionnel. Vous voyez que la méthode est toujours la même, on fait le bloc et on va avancer. Bien évidemment, on a fait tous les recours thérapeutiques usuels sur les manifestations douloureuses neuropathique. Alors une autre patiente, et là c'est plutôt du cervical, avec une origine dentaire, une pansinusite, et puis divers traitements antibiotiques, une chirurgie, une avulsion de la dent 27. Elle avait également des douleurs neuropathiques post-avulsion. Le traitement habituel des douleurs neuropathiques a permis d'améliorer la symptomatologie douloureuse, mais au final, progressivement, elle s'est désadaptée sur le plan musculaire cervical. C'est une patiente qui est coiffeuse, et Dieu sait si elles ont des problèmes au niveau des hanches, des épaules. Elles ont aussi des problèmes de manche, d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment du domaine plutôt de la pathologie professionnelle, avec une apparition de douleurs hémicraniennes plutôt à gauche, des douleurs à l'examen clinique. Alors on déclenche ces douleurs, c'est très facile. Et là aussi, bien, on a fait un geste d'analgésie loco-régionale avec une infiltration et on constate la disparition de la douleur. Alors cette dame était finalement assez satisfaite parce que son analgésie loco-régionale, elle l'a gardée suffisamment longtemps, ça a gardé 2-3 mois, mais finalement, 2-3 mois c'est bien, mais c'est pas forcément suffisant, d'autant que la répétition des gestes de l'analgésie, puisqu'on a répété ces gestes, on avait l'impression que ça épuisait un peu son effet, que ça ne permettait plus d'obtenir le confort qu'elle avait obtenu initialement. Et on a fait une rhizolyse, là aussi efficace, avec un bon confort de vie pour une durée de 5 mois, et c'est une patiente qui réclame sa rhizolyse cervicale très régulièrement, parce que quand elle sent que ça commence, alors maintenant elle devient très exigeante, hein, parce qu'elle a le confort du geste, et elle va venir réclamer aussitôt que ça commence à titiller un petit peu, elle se dit, bon alors ça tombe bien, comme on a des délais relativement longs, on peut espacer. Voilà, donc un ensemble. Toujours la même méthode qui vous a été relatée par le professeur Lebuff, c'est-à-dire de l'analgésie loco-régionale qui confirme un diagnostic clinique. Une fois qu'on a cette confirmation, on discute le coup en RCP parce qu'on aime bien, et ça permet d'aller faire une rhizolyse qui est globalement non grévée de problèmes d'effets secondaires. On n'a jamais eu. Je n'ai jamais constaté, mes collègues n'ont jamais constaté d'hypo ou d'analgésie post-opératoire, ça c'est important, parce que ça voudrait dire qu'on a fait quelque chose qui n'est pas suffisant, mais on a toujours constaté la disparition d'une symptomatologie douloureuse. Et ça peut être souhaitable. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? La foule au délire se passe. Les recommandations, c'était bien pour la radioablation. Oui, c'est ça. Du coup, il faut quand même les répéter tous les 6 mois, même si il y a, il y a manifestement pour certaines approches, en particulier au niveau cervical, lorsqu'ils devaient répéter, ça veut dire qu'ils n'avaient pas effectué la thermoablation complète.
Et c'est pour ça qu'il proposait deux approches, une approche un peu plus médiale, une approche un peu plus latérale, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs sous scopie seule. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ils devaient répéter, pas tous les 6 mois, mais qu'ils avaient dû répéter un traitement itératif. C'est dans ce contexte-là. Sans ça, quand il y a une thermoablation directe sur un nerf, il n'y a pas besoin de répéter, puisque la destruction elle est normalement définitive lorsque la thermoablation est totale, ce qui, là aussi, la preuve de cela n'est pas non plus toujours évidente à faire en direct, puisqu'on ne sait pas l'ampleur des lésions. Tout dépend, parce qu'il faut savoir que beaucoup de ces radiofréquences sont faites sous scopie, et comme je le disais, la scopie, il y a quand même une part d'approximation avec ces positionnements de plan. Il suffit de manipuler un peu une aiguille, on a l'impression de faire un millimètre, et quand on regarde la scopie, on est parfois à 3-4 cm à côté. Donc voilà, donc je pense que dans tous ces essais, il y a l'approximation aussi de la scopie, ce qui devrait disparaître progressivement avec l'échographie. Ce que M. Wattier disait sur le nerf cutané latéral de cuisse, nerf cutané latéral de cuisse sous échographie, on le voit, c'est très superficiel, et on voit bien que quand on est très précis, ce qui est le cas avec le nerf cutané latéral de cuisse, on a des effets qui sont sur 5-6 mois, c'est assez intéressant. Pareil d'ailleurs pour le grand occipital. Donc c'est la précision qui va faire qu'on sera proche du nerf, et comme vous avez vu, eh bien, forcément on est plus efficace.